Salut à tous, nouvelle partie, enfin nouvel épisode, je veux dire, sur HOI4. Du coup, on était en train de poursuivre notre offensive dans cette région du globe, dans les Caraïbes. C'est parti. Là, on va pouvoir déclencher l'opération qui va prendre Pointe-à-Pitre, je l'espère. 9, mais attends, on va en mettre 20 aussi, y a pas de raison. Et vous, toi, tu fais quoi? Mais tu fais rien en fait. Tu vas aller couler des convois. Toutes les côtes. Ok, ça va être renforcé. Il y en a 11 qui partent. Voilà, ça c'est nos sous-marins qui s'éclatent. En ce temps-là, des petits avions de je ne sais où qui se promènent. Général Pétard, il ressemble étrangement au mien d'ailleurs, au passage. On dirait Félix Turm, c'est un peu le même. Expert en débarquement, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On en est où ici? On finit les dernières de la zone. Ok. On a un peu de mal là. Bon, on va justifier un but de guerre ici aussi, tiens. Soyons belliqueux. On regarde les cartes des factions, hein, l'axe. Les non-alignés là, qui devraient s'inquiéter. Est-ce que ça vaut le coup un jour qu'on attaque ce pays ou non? Voilà. Allez, on avance, on progresse. Est-ce qu'on peut remplacer par un petit peu de mécanisé? Oui, on a pile ce qu'il faut. Nos infanteries légères. Pour l'instant, ça va, si on en rajoute. Pas de problème. C'est vrai que j'ai que des légères quoi en fait. Je me suis un peu merdé quoi. Test de retranchement. Allez. Ça passe. Pendant ce temps-là, le débarquement il continue. Ici, c'est ok. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Les rages commissariats. Ah,
subit un contre-débarquement. Ok, du char en appui. Pendant ce temps-là, nous, on va là. Est-ce qu'on va avoir une petite surprise ici? J'espère que c'est pas le même. Je sais pas en fait. On pouvait aller jusque-là? Ah ouais, mais on pouvait aller jusque-là en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, toujours notre front africain. Fort de 6 divisions désormais. Et ici, il y a quoi là? Une seule division et ici une, donc c'est bon, c'est gagné. Ok. Bon, là on est tranquille. Ici, ils sont fixés. Ici, bon, là, c'est nos. Je compte sur eux. Je veux pas m'y mêler. Je peux pas m'en mêler de l'Afrique en fait. Ah, mais ah, c'est bien, allez vous mettre là, là les trois divisions. Donc vous allez faire un débarquement ici. Là, c'est la marche en avant. Il y a énormément de monde ici. Ils sont beaucoup. Voilà. Du coup, ils vont où là? On peut continuer là? Ben, on peut continuer. Même pas avoir besoin d'avancer plus que ça. Je sais pas si on peut aller jusque là. Saint-Domingue, on prend Port-au-Prince, on va justifier également Haïti. On prend tout le monde. Cuba. On place nos armées ici. Objectif, essayer de débarquer en l'été 44 aux États-Unis, si on peut, si on peut. Bon, là, ça sert un peu à rien finalement ce débarquement que je suis en train de tenter ici. Fait du bien de ne pas avoir d'attrition. Je pense qu'ici, faire une
Petite base, non, je pense qu'on fera peut-être une base importante à Port-au-Prince, peut-être. Finalement, je pense que. Oh, si on peut aller là, ça sert strictement à rien. Ouais, ça sert à rien de faire un débarquement ici. En revanche, sur Saint-Domingue, ça. C'est faisable en 17 jours. Tiens, il y a du convoi ici. Il y a du monde qui se promène. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici là? J'aime pas trop savoir qu'il y a des destroyers qui se promènent ici. Bon, on les a tous coulés. On va repasser en vitesse 1 parce que j'ai beaucoup trop de messages. On va continuer à dépenser des points. Attends, on est allé un petit peu trop loin là, ici. Allez. Faut que ça passe. De la troupe. Oh, attends, les Russes, ils sont. Ok. Char léger 1000. On perd un petit peu depuis les combats. Char moyen 2200. Est-ce qu'on est bon là? Est-ce qu'on peut le remplacer? Allons-y. Pas perdu un sous-marin, je crois, depuis que j'ai lancé les opérations. %95, encore un convoi coulé. Ici, ben, on va faire lancer le débarquement. En plus, on a la supériorité sur toute cette zone, c'est quand même assez pas, plutôt pas mal. D'accord. Les trucs qui se baladent ici. Super, ils se sont fait encercler. Putain, pourquoi vous avancez pas là en fait? Techniquement. Mes troupes d'Afrique, là, elles sont où? Ah, elles arrivent. Les premières arrivent. Qu'on voit couler, je ne sais pas où est la flotte américaine, mais je ne sais pas où ils sont leurs navires, surtout qu'il en reste encore 195. C'est du 100%, on va garder 100%. Ok, et eh ben du coup, maintenant on va faire ça et on va préparer. Un débarquement ici. D'ailleurs, on va préparer les troupes.
Voilà. Bon, bah, concrètement, se rapprocher de la Turquie, on pourrait le faire. Ouais, vas-y. On finit tout l'arbre. Ah, ça y est, on a perdu un sous-marin. Mon petit navire, tu vas te mettre ici. Tu seras beaucoup plus prêt pour faire tes opérations. Là, on a presque fini ici. Ici, on va en faire plus. Ça, c'est qui ça? Américain. Les Anglais, ils ont plus rien. Bah si. Les Anglais, techniquement, il leur reste encore quand même plus de 100 navires. Plus beaucoup d'hommes sur le front, mais c'est en termes de navires qui peuvent nous faire du mal. 10 jours, 4 jours. On va donc voir un débarquement sans doute sur cette session-là. Quoi ça? Saint-Domingue, c'est bon du coup, on peut attaquer. Déclarer la guerre, appel aux alliés en avant. C'est parti. Voilà, les inévitables pop-up. Et c'est parti pour l'invasion de Cuba. Et là, on sera très près de l'américain. Qu'ici, finalement, il reste encore 4 jours. Mais ça a une flotte, ce truc-là, ou pas? Saint-Domingue, est-ce que ça a une flotte? Pas du tout. Les Japonais, je suis pas entièrement. Ah si, ils font le boulot ici, là, très très bien. Ouais, mes troupes arrivent. Voilà, on perd du sous-marin, mais c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. On est vraiment au plus près des troupes des côtes américaines. On est prêt pour le débarquement, encore 3 jours, 2 jours. Ici, on a décollé. On a décollé, mais on n'avance pas d'ailleurs. On n'avance pas. Parce qu'on leur a pas déclaré la guerre, bien évidemment. On risquait pas quoi que ce soit, voilà, toujours comme d'habitude. Le Salvador va venir. C'est quoi ce truc ici? Ouais, ils veulent plus. Bon, ce fut bref. D'accord, ils ont changé de. D'accord, bon, c'est pas grave. Ok, toi, c'est parti. Ah oui, ça on l'a bien compris. Pour le coup.
Encore. Où est mon... Elle est là. Ah, un petit destroyer américain qui passait par là. Ici, il s'est lancé également. Il y a 14 divisions ici. Hein. Je pense que ça doit pas être des grosses troupes, hein, j'espère. Qu'on voit. Et il y a du monde ici, dis donc. Il y a du monde. Il y a de la troupe quand même. Hein. Il y a 7 divisions. Et on va sans doute pas passer. Hein. Et oui, effectivement, on passera pas. Alors du coup, on va leur dire d'arrêter. Bon par contre ici ça passe mieux. Du coup par contre on va préparer plutôt ici. S'il y a un peu plus de mandat ici, on va plutôt passer par là. Du coup nous ici par contre, en avant. On y envoie les chars. On va y envoyer les troupes aussi de montagne. Et bah, ce qu'on va faire, il va falloir. Là, on peut pas pour l'instant, donc on n'a pas pris la capitale. Allez, là, on les pousse jusqu'au bout là. On les pousse, on les pousse, on les pousse.
Benigno Laredo. Alors certes, on n'a pas du tout l'avantage pour l'aviation. Oui, on va arriver avec les tanks et les troupes de montagne. Et là, on peut dire qu'on est vraiment proche des États-Unis. Bon, là, on va arrêter de faire ça. On va plutôt fortifier ça, celui-là. Il n'y a plus que 12, hein, ils finiront par passer, je pense. Ok, on se positionne. Je m'attendais pas franchement une opposition comme ça en fait. Là, il tente une contre-attaque. Allez, c'est parti. Allez, Cuba va tomber, je pense. Niveau 3, il fait son petit bonhomme de chemin. On a les chars qui se baladent dans les plaines, qui vont rattraper sans trop de difficultés les troupes au sol. Beaucoup trop de convois qui se promènent là de ici là. Je sais pas ce qu'ils foutent ici. C'est n'importe quoi. Voilà, Cuba est tombé. Défaite de Cuba. Nous allons nous mettre ici et nous allons développer Cuba, qui est déjà super bien développé. Mettre du terrain d'aviation, en veux-tu, en voilà. Et un joli port de niveau 10. Voilà. Du coup, bon, on le fera peut-être dès mon prochain coup. Je vais mettre donc 5 divisions ici. Ici, on va mettre tout à fond. Et on essaiera de faire plusieurs débarquements simultanés sur les États-Unis. Ça sera un objectif. Alors, pas besoin de faire ça. En revanche, le meilleur endroit, il me faudrait de la plaine. Là, c'était pas terrible ici. C'est que des forêts. Pas trop je pourrais voilà, c'est des marécages un peu pourris. Ici il y a des marécages en Caroline du Sud. Peut-être faire un débarquement ici et un autre ici. Donc par exemple faire ça pour ici pour plus tard. Et on va s'arrêter là, j'ai perdu deux sous-marins, on s'arrête là pour cet épisode. Voilà, je vous dis à plus pour la suite du coup de la partie. Salut à tous!